Waouh! Je la connais, elle! J'ai vu son portrait dans les ruines de Lubov. C'est mon château préféré. Il y a toute une légende sur cette dame. Une légende? La dame de Lubov. La légende raconte qu'un comte solitaire l'a rencontrée par hasard et que jamais on n'avait vu deux êtres à ce point faits l'un pour l'autre. Finalement, ils se sont installés au château de Lubov et ont eu un enfant. Mais ensuite, un événement tragique s'est produit. Un incendie mystérieux a éclaté une nuit et les a tués, tous les deux. Quand j'ai visité ce château, je pouvais encore sentir la force de leur amour. On raconte que ce sont les ruines qui retiennent leurs âmes prisonnières encore aujourd'hui. Cette légende est fausse. Parce que seule, la femme est morte. Et la cause de sa mort n'a rien de mystérieux. Elle a été tuée par tes semblables. Vampire ! Mon amour. Va te cacher, je vais régler ça. Ce sont eux les véritables monstres. Waouh. J'ai bâti cet endroit pour mon amour, pour protéger notre enfant. Un père doit tout faire pour garantir la sécurité des siens, même s'il doit pour cela trahir leur confiance. Mais aujourd'hui, Mavis a des sentiments pour toi. Quoi? Mais j'ai... Enfin, j'ai juste... Oh, trop de la balle. Ça me va. Tu es un bon humain. Si le monde était différent, peut-être que ce serait possible. Drac, je te signale qu'on est au 21e siècle. Depuis cette époque, les gens ont beaucoup changé. Est-ce que tu peux me promettre que si aujourd'hui on sortait au grand jour, tout le monde nous accepterait? Tout le monde. Non. Tu as raison. Cette fois, je m'en vais pour de bon. Tu n'as qu'à dire que j'ai eu une urgence, ouais, ou que Madame Gremlin m'a mangé sans faire exprès. Non. Je ne veux surtout pas gâcher sa fête d'anniversaire. Tu partiras dès que tout sera terminé. Je suis désolé. Je voulais vraiment pas la faire souffrir. Ni elle, ni toi. Tu es plutôt bof comme Johnny Stein. Mais tu ferais un super vampire. Non, c'est vrai. En tout cas, je sais déjà comment faire tes yeux de sorcier. Oh, faut croire que c'est mon jour. Vas-y, vas-y. Attention. À présent, tu es à mon pouvoir et je t'ordonne de devenir... Wayne le loup-garou. J'ai beaucoup trop de gosses. S'il te plaît, gratte-moi le dos, j'ai des puces.